Mais les Lyonnais, Gilbert, doivent se demander quand même, et ils vont se demander en rentrant à Lyon, comment ils peuvent perdre ce match. Ils concèdent deux tirs cadrés dans le match, ils prennent deux buts, ils ont maîtrisé 70% du match, ils ont eu un quart d'heure de trou et qui leur a été fatal. C'est à l'image de ce qu'on voit malheureusement trop souvent de Lyon. Quoi. Et d'ailleurs, Stéphane, je ne sais pas si tu regardais les expressions du visage, je ne sais pas si vous aviez un écran pour voir Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, il est quand même un peu désabusé par son équipe parce que il a été aussi un peu agacé par l'arbitrage, mais il voit bien comme nous que bien sûr il y a du talent, c'est ce qu'on répète. Et encore une fois, c'est pas qu'il fait un mauvais match aujourd'hui forcément, mais Ryan Cherki, il représente tellement cette équipe lyonnaise, c'est-à-dire très talentueuse mais tellement peu efficace et tellement peu régulière sur 90 minutes ou là sur 95 minutes, non, que c'est très frustrant. Ça court globalement pas assez quand même, Kevin. On est d'accord. Et notamment en deuxième période, il y a un joueur pour moi qui symbolise ça côté lyonnais. Désolé Gilbert d'attaquer par Lyon, mais c'est Corentin Tolisso que j'ai trouvé éblouissant en première mi-temps. Puis qui, alors lui, peut-être, par contre, je pense que c'est pas l'envie mais c'est peut-être le manque de caisse pour l'instant. Mais il n'a pas été capable de tenir le même rythme la première et la deuxième mi-temps.